Hey coucou mes chatons, nous sommes le 3 décembre. Je ne sais pas si vous allez voir la vidéo avant ou pas, mais j'ai filmé hier ma journée. J'essaie de me poser pour pas trop bouger, voilà. Impossible de sortir les vidéos de mon téléphone. En fait, je peux les regarder sur mon téléphone et quand je les passe dans mon ordinateur, je peux pas les regarder. Je peux pas faire le montage vidéo. Ça me saoule depuis hier soir, j'ai clôturé le vlog. Je fais tout pour pouvoir voir les vidéos, pour pouvoir faire le montage. Impossible. Hier soir, je me suis dit, c'est bon, je vais coucher, ça me saoule tellement. Ce matin, je veux faire pareil. Impossible. Je ne comprends pas. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Bref. Du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vais bouger un petit peu. Je vous montre ce que j'ai eu dans les yels. Dans mon petit calendrier de l'Avent. Un joli petit trombone pompon. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est que moi, je vais pas l'utiliser en trombone parce que. Enfin, j'utilise pas de trombone, mais je vais le garder, le trombone. Et là, je vais mettre un. Une sorte de porte-clés. Voilà, l'attache de porte-clés pour pouvoir le mettre sur mon planeur quand même. Comme ça, je l'aurai toujours avec moi. Mais le trombone, j'en ai pas besoin en fait dans mes enveloppes. Peut-être dans mon planeur, mais voilà, ce sera juste le trombone et pas le pompon. Comme ça, le pompon, je pourrais le garder avec moi avec mon planeur budget. Bref, allons partir à la recherche du numéro 3. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Allons partir, ok. Allons chercher l'enveloppe numéro 3. Je vous mets sur mes mains. Voilà, nous sommes sur mes mains. Alors oui, c'est toujours le bordel sur mon bureau. Cherchez pas. J'étais pas motivée à ranger. Alors, numéro 3. 3. Ça va être dans l'autre. Ah non, il est là. J'ai défoncé les boîtes. Voilà. Alors, ranger quand même un petit peu, voilà. Alors, numéro 3, qu'avons-nous aujourd'hui? Encore des petits stickers? Attendez. Encore, ben non, je suis bête, je dis encore des petits stickers. Non, c'est parce que hier, j'ai regardé le live des Yel et du coup, on parlait de stickers. Et voilà. Sont trop beaux. Ça, je le garde, ça peut servir. Oh. Je vous montre, vous inquiétez pas. Alors, on en a 4, 4 planches. Est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. Donc, on a petit koala. J'ai plus de voix. Petit koala, petite abeille, petit panda. Chouette, poule, chat. Alors, nounours, je pense. Cerf et un autre petit chat. Oh, il est trop mignon le cochon. Petit cochon, loup, renard. Je penserais plus à un loup. Et un lapin. Vous avez vu mon gros pif, pardon. Donc voilà, oh c'est trop bien. J'adore, ils sont trop beaux. Je vais les mettre avec mes stickers. J'ai plein de stickers, vous voyez. Hop. Faut que je mette des anneaux. Et il faut que je me fasse une couverture. Pour faire le petit carnet. Parce qu'en fait, celui-là, il est trop petit, vous voyez. Ça, c'est un 4. Et là, on a besoin d'un 5. Donc du coup, ici, derrière, je mets tous les gros stickers. Comme ça, là. Voilà.
Et non, faudrait que je m'en fasse un pour celui-ci. Oh, ils sont trop choupinous. J'adore trop. Bref, voilà. Bon, programme du jour. Bah, je travaille ce matin. Donc ce matin, je vais pas vous prendre. Je vous prendrai cet après-midi pour faire je ne sais pas quoi encore. On verra bien. Hier, du coup, je vous avais filmé du coloriage. J'avais fait du coloriage. Je vous montre peut-être. Parce que bah du coup, je pense pas que vous allez voir la vidéo du 2. Donc j'avais fait dans celui de coloriage là. Et j'avais fait. Hop. Oh, j'ai un truc. Voilà ce qu'on avait fait ensemble. Donc peut-être que cet après-midi, je continuerai, je ne sais pas encore. Je verrai parce qu'il faut quand même aussi que j'aille faire les courses, même si je n'ai toujours pas eu ma paye. Nous sommes le 3 et je n'ai toujours pas eu ma paye. C'est merveilleux. Enfin bref, on se retrouve cet après-midi, mes petits chatons, et bah, passez une bonne journée. Bon, il est quelle heure? Il est 15h, je crois. C'est ça, il est 15h pile. On vient de rentrer. On a été chercher un colis qu'on devait se faire livrer à la maison, mais en fin de compte, ils sont pas passés à la maison et ils nous ont livré autre part. Enfin, ça a été tout un bordel. Et moi, entre-temps, j'ai reçu. Voilà, j'ai reçu les Yel. Donc, du coup, on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Ça va être journée Yel. Si, autre bonne nouvelle, j'ai reçu ma paye. Du coup, ce qui veut dire, c'est que je vais devoir aller faire les courses. Nous sommes quand même vendredi et je n'ai toujours pas fait les courses. C'est pas mal, c'est pas mal. Des économies, je vous dis, des économies. Du coup, je vais ouvrir ça avec vous et après, je vais aller chercher mes enfants, du coup, à l'école. Et après, on va aller faire les courses. Je pense que, je sais pas, je vais voir si je peux faire un drive ou pas. Mais vu l'heure, je pense que le drive ça va être que 19h. En sachant qu'à 20h j'ai Capoeira, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc on verra bien. Pour l'instant, on va ouvrir le colis des Yel. Ok, c'est bon. Alors, l'illustration est trop belle. On va ouvrir. Je suis trop pressée. Je les ai vus hier pendant le direct, mais je suis quand même trop pressée de recevoir les miens. Hop. Voilà. C'est bon, il n'y a plus rien. Petit bonbon, toujours petit bonbon. Alors par contre, ouais, il me focus, on va faire comme on peut. Alors là, j'ai mes images à collectionner. On va voir ce qu'on a reçu. Ouh. Oh, je l'avais jamais eu celui-là. Est-ce que vous voyez bien, ouais? Comme ça, je pense. Poudlard. Je les ai. Ceux-là, c'est des. Je les ai encore jamais. J'ai pas encore de double. C'est vrai que j'ai jamais eu de double dans les Yel. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la petite pochette? C'est serré. Alors, le petit mot toujours, le petit code promo. Oh, il est trop beau!
que des personnages j'ai reçus. Voilà, bon, ben, j'ai toujours pas de double. Nickel. Hop, ça on le garde. Ah, voilà. Donc, cette fois, j'ai pris la box de décembre, plus une planche en plus, parce qu'en décembre, on a 5 semaines. Donc, du coup, vu que dans la box, il n'y a que 4 semaines, j'ai pris une planche en plus. J'ai pris des stickers à ma fille. Et je crois que c'est tout. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Alors, ça, ça fait partie de la box. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui. Je ne sais plus. Attendez. Ça, ça fait partie de la box. Ah non, j'ai pris deux planches de stickers en plus, alors. Je crois que c'est ça. Attendez, je coupe, je vais aller voir mon bon de commande. Ok, c'est bon. Donc, je vous montrerai ce que j'ai pris après, même s'il y en a qui sont là-dedans, mais je vous montrerai. Je vais vous montrer... Ça doit être là. 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer la box, du coup, de décembre. Alors, on va commencer par les feuilles A4. Donc, les feuilles A4, nous avons celle-ci. Voilà, bon, on va repasser comme ça. Donc, nous avons celle-ci. J'espère que ça fait la mise au point parce que je ne vois pas du tout le retour caméra. Oh, il est trop beau! Les flocons de neige! Trop trop beau! Les petits rubans. Et les nanos. Donc ça, je vais les mettre de côté. Après. Donc ça, c'est les die-cuts. Alors. Pour le mois. Pour organiser le mois. On va partir sur le thème... vétérinaire. Je vérifie quand même que vous voyez bien. Voilà. Ils sont trop mimi, les petits chiens et tout. Voilà. Donc ça, c'est pour organiser son mois. D'ailleurs, je le fasse. Donc, on a dit qu'on avait le thème vétérinaire. L'illustration, elle est trop belle. C'est trop des couleurs que j'adore. En parlant de vétérinaire, d'ailleurs, on vient de rentrer chez les vétérinaires. Pour petit Mao. On en saura plus demain. J'espère. Après, nous avons le thème bonhomme de neige. Et aujourd'hui, il neigeait, au fait. Enfin, il a neigé vite fait, un petit peu ce midi. Et quand on est parti à l'école, il pleut. Alors, le thème bonhomme de neige, je vous montre l'illustration. Petit bonhomme. Et ça a paillettes, regardez. Oh, c'est trop beau. J'adore quand ça fait ça. Et c'est dans les couleurs pastel. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le thème bonhomme de neige.
Après, nous avons le thème on s'organise. Donc c'est cette pochette-là qu'elle a utilisée hier en live. Et ça rendait trop bien. Voilà. Et le dernier thème, c'est le marché de Noël. Forcément, nous sommes en décembre, donc Noël. L'illustration, elle est vraiment trop belle aussi. Voilà. Je vais vous montrer les washi tape. Masking tape, excusez-moi. Donc je rappelle que moi je prends la plus grosse box. Hein. Je prends pas la petite, je prends la grosse. Donc pour le marché de Noël, j'en oublie pas, le vétérinaire. Bonhomme de neige. Et on s'organise. On va peut-être pas le remettre dedans, parce que ça je vais le ranger. Après, il y a les petits ronds que moi j'utilise pour chaque enfant. Vous savez, par exemple, là je mets Lorenzo, Lenny, etc. Et chaque enfant a une couleur pour les jours où je travaille. Voilà. Couleur pastel. Et voilà. Les stickers. Oh, mon calendrier là. Dis-moi. Alors, toujours le petit calendrier du mois. Que je vais accrocher dans mon bureau. Je vais le mettre là parce que comme ça je vais l'accrocher après. Les grands stickers pour chaque thème. Oh, le gros bonhomme de neige. Moi, le veto, je trouve trop beau gosse. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le trouve trop beau gosse. Voilà, donc ça c'est les stickers. Je pars dans un délire. Après, les tout petits stickers que nous avons dans la box. Alors elle a dit qu'elle avait même fait plein de vin chaud parce que c'était trop bien le vin chaud en hiver et que comme ça on pouvait en consommer beaucoup. Les petits chiens. Et le bonhomme de neige. Voilà. Donc ça, c'est les stickers qui vont avec. Après, nous avons les die-cuts. Alors, je le répète, les die-cuts ne sont pas autocollants. Mais après, vous pouvez les coller où vous voulez. Donc, thème bonhomme de neige, nous avons les personnages, les petits yel, un bonhomme de neige et deux flocons.
sur le thème vétérinaire. Ah oui, ce que je ne savais pas, c'est que les hyènes, ils ont une vie. C'est-à-dire qu'il y a des hyènes qui sortent ensemble. Je vais vous montrer ça après. Hop. Ouais, j'ai appris plein de trucs hier soir. Les petits jouets et tout. Petit nonos. Petit pansement. Les petits chiens. Donc là, nous avons le marché de Noël. Je surveille l'heure quand même parce qu'il va falloir que j'aille chercher mes enfants à l'école. Hop. Ça, c'est les bretzels, c'est ça? Oh, les cadeaux. Le vin chaud. Petite guirlande. Et la marmite de vin chaud. Très important. Et pour le thème, on s'organise. Donc on a les stickers, une paire de ciseaux, les washi tape, une trousse. Et encore des stickers des Yel. Hop. Voilà. Suivant ce que j'ai commandé en plus. Alors, on va commencer par ce que j'ai commandé pour ma fille. Elle m'avait pas fait vraiment de demande, donc du coup j'ai farfouillé sur le site et je lui ai trouvé ceci, les Yel licornes. Elle adore les licornes, donc du coup je pense qu'elle va être super contente. Je me suis pris les stickers le matin de Noël. Voilà. En plus. Et après, j'ai pris le kit Père Noël. Avec bien sûr les die cuts. Alors pour l'instant, les die cuts, j'ai encore rien fait avec. Mais je trouve ça trop mignon, donc je les prends à chaque fois. Je vais bien trouver un jour à les utiliser. Petit renne. Et le trésor du Père Noël. Hop, je remets dedans. Je vais le mettre avec les die cuts. Voilà. Et donc, le kit Père Noël. Voilà, on a. Oups, je viens de faire tomber le truc. Hop. Donc je crois que c'est l'ancien kit, comme elle les faisait avant en fait. À l'ancien design, voilà, je cherchais. Et voilà. Je le trouve trop, trop, trop beau. J'adore, il y a plein de petites illustrations et tout. Donc ça, c'est le kit Le Père Noël. Voilà. Et ben moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon planeur parce que nous sommes vendredi. Et que je suis en retard pour faire mon planning de la semaine. Hein. Donc du coup, je vais faire ça. J'ai encore une demi-heure avant d'aller chercher les enfants. Donc je vais commencer mon planeur et bah, je vous le fais. Hein. Allez, à tout de suite.
21h, donc je vais clôturer ce vlog ici. Alors vous avez vu, on a été faire les courses et j'ai dépassé mon budget course. Là, j'ai dépassé mon budget course de 26,45 €. Mais c'est vrai que j'ai fait le gros plein là. Voilà, tout simplement. Et oh, j'ai peut-être pas dépassé parce que j'ai acheté des chocolats. Oh si, j'ai quand même un peu dépassé, tant pis. J'ai compté les chocolats dans les courses, même si c'était vraiment du plaisir, on va dire. Comme les chocolats que j'ai pris pour les enfants chez Jeff de Bruges. Mais en fait, c'était deux petits chocolats, un petit hibou et un petit cerf. Ah, attendez. Méline, tu l'as mangé ton petit hibou? Tu peux me montrer, s'il te plaît? Je vais vous montrer comment ils étaient trop mignons. Vas-y, donne. Regardez. Bonjour. C'est du chocolat, là. Oh. Oh. C'était des petits hiboux comme ça, voilà. Donc, j'avais pris un petit hibou pour Méline et un petit cerf pour Julien. Donc, 1,30 €, je sais plus trop bien, combien là, les deux petits chocolats. Julien, il a pas perdu de temps, il l'a mangé. Ouais, il l'a mangé direct, Julien. Et donc voilà. On a fait, voilà, je leur ai fait un petit plaisir. Donc, j'ai dépensé un peu plus parce que, oui, j'ai pris des chocolats. Mon chéri s'est plaint qu'il n'avait pas un calendrier de l'Avent. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des chocolats, des petites bouteilles en fait. Vous savez, des petites bouteilles avec mojito, chocolat mojito, chocolat, rhum, whisky et tout ça. Une petite bouteille de champagne, voilà. J'ai pris ça et donc j'en ai pris deux paquets parce que c'était des petites cagettes de 12. Donc comme ça, j'en ai pris deux et comme ça, bah, je lui ai dit, tu manges un chocolat par jour. Voilà. Moi je me suis pris un paquet aussi de mon chéri. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des petits chocolats en forme de Père Noël pour les enfants. Ah si, j'ai pris ça aussi. Voilà. Donc une pour moi, une pour mon chéri. Et je crois que c'est tout. En plus que j'ai acheté qui n'était pas prévu. Parce que j'avais, en fait, j'avais fait mes courses au Drive et ils pouvaient me livrer que demain après-midi. Du coup, je dis non, c'est bon, je vais aller faire mes courses directement. Si, j'ai pris de la choucroute, et la palette à la diable que j'avais pas vu sur le Drive et que quand je suis passée dans le rayon, en fait, je les ai vues. Donc, je les ai pris, mais en contrepartie, j'ai pas pris pour faire des lasagnes en fait, par exemple, et j'ai pas pris pour faire. Saucisse lentille, je crois. Je sais plus. Enfin, il y a deux recettes, du coup, j'ai remplacé. Mais le reste, j'ai suivi la liste que je m'étais fait. Donc, on s'est fait un peu plaisir. Ça fait rien. La semaine prochaine, je ferai un peu moins de courses, tout simplement. L'avantage aussi de faire, du coup, les courses avec la carte bancaire, c'est que je vais pouvoir. Enfin, même si j'ai dépensé plus, je vais pouvoir compenser la semaine prochaine. Donc, bon, voilà. En gros, pour le mois, j'ai 400 € de courses. J'ai un budget de 400 €. Donc après, là, c'est vrai que j'ai dépensé plus. Mais je vais pouvoir me rattraper sur une autre semaine. Bref, vous avez compris le principe. Je ne vous saoule pas plus avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Méline m'a demandé de faire des vidéos. Donc, il va y avoir deux sortes de vidéos. Peut-être une dimanche. Peut-être une dimanche spéciale. Et une... plus loin. Méline, on va la faire participer. Méline, je crois qu'elle est en train de regarder des vidéos YouTube. Yaya? Yaya? Oui. Viens voir. Yeah. C'est quoi les vidéos que tu voulais faire avec moi? Il y a deux vidéos que je voulais faire avec maman, c'est Yes Man Challenge et que elle doit dire tout oui pendant 24 heures, toute la journée. Je crois que je vais douiller ce jour-là. Et l'autre, c'était quoi?
C'était avec les Sims. Ah oui, les Sims, je m'en souviens plus. Tu te souviens plus? Non. C'était pendant 24 heures aussi. Ah, 24, en fait, on va essayer de faire 24 heures, on va faire comme nos Sims. Du coup, par exemple, si ils se réveillent à 4 heures du matin, ils vont sur l'ordinateur. On se réveille, maman va me réveiller à 4 heures du matin. Et je dois aller sur l'ordinateur. Oui, parce que je précise, c'est Mayline qui veut faire la vidéo. Donc, c'est Mayline qui va faire comme son Sims. Moi, je... Non. Si, parce non. que... Bah, si, tu vas me réveiller. Oui, mais après, j'entends me coucher. Ouais, mais du coup, tu vas m'entendre. Mais non, je te suivrai, mais voilà. Donc, dites-moi si ça vous plairait. Mayline, elle voudrait faire un peu des vidéos. Je dis pas qu'elle va faire beaucoup de vidéos sur la chaîne parce que... Voilà, c'est une enfant et j'ai pas non plus envie que ça tombe dans une chaîne pour enfants. Oh. Mais Mayline voudrait faire un petit peu des vidéos de temps en temps. Donc j'espère que les jours où sortiront ces vidéos, vous serez bien sûr bienveillants. De toute façon, tous les commentaires haineux ou déplacés seront supprimés tout simplement. Parce qu'il faut savoir que c'est une enfant. Donc voilà, tout simplement. Moi, je peux supporter les commentaires haineux, même si je les supprime et tout ça, mais voilà, pas tout de simplement. Commentaires haineux. Pas de commentaires haineux. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Par contre, va te nettoyer, t'as du chocolat partout. J'ai enlevé. T'en as encore là. J'ai enlevé. Bah va voir, t'as encore du chocolat. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Et ah vas-y. Si vous mettez un commentaire haineux, vous n'avez pas le droit de bonbons pendant une semaine. Pas le droit de quoi? De bonbons. De bonbons. Attention, vous allez être puni de bonbons. Pas moi. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Nous, on a vu Papa Noël du coup. Je vous ai pas filmé, je vous ai juste montré la déco qu'il y avait sur une des petites places, parce qu'il y a plusieurs places dans Château Thierry. Donc quand on a été chercher kebab, parce que ce soir on a mangé kebab, on est passé par une des petites places et il y avait le grand livre que je vous mets là en vidéo, que je vous ai mis avant, et il y avait le Papa Noël. Donc du coup, on a croisé Papa Noël et donc Julien était juste super content, donc il a eu un petit bonbon, un petit chocolat en plus. Donc Mayline en a eu un aussi, même si elle n'était pas avec nous. Donc voilà, on sent que Noël approche. Ce midi, il a neigé d'ailleurs. Ça fait bien longtemps qu'il neigeait pas au mois de décembre. Et là, il a neigé ce midi. Alors, ça n'a pas tenu. Il a neigé quoi? Peut-être 10 minutes. Les enfants, ils étaient trop contents. Et on a prévu, du coup, de faire le sapin de Noël dimanche. On verra ce que ça donne. Il faut que j'aille chercher toutes les décos en bas. On décore pas dehors pour l'instant. On n'a pas le budget pour acheter les décos de Noël de dehors. Je pense qu'on va les acheter au fur et à mesure, mais pour l'instant on décore pas. Et puis de toute façon, on est dans une rue cul-de-sac. Voilà, on est au fond d'une rue cul-de-sac. Donc en gros, on n'a jamais de passage, nous. Donc, d'un côté, c'est super. Les enfants, ils peuvent jouer tranquillement. Mais c'est vrai que, bon, décorer, si, pour nous. Mais il n'y a pas de concours de décoration de Noël et tout ça, comme dans certains villages. Je sais que mon oncle... ils ont un concours. Nous non, ils font pas ça ici. Ils ont commencé à décorer le village aussi. Donc c'est des trucs, on a un sapin en bois, etc. Enfin, c'est quand même vachement beau. Le maire, il met quand même les moyens dans les décos et dans tout ce qui est activité pour les enfants, pour l'école et tout ça. Donc ça, franchement, c'est super. On a un maire vraiment au top. Là, on a fait quoi? On a fait il y a quelques jours. On a planté des arbres avec l'école. Donc on a planté en tout 4 arbres. Et le maire en fait en a commandé, je crois, 1000 ou 2000, je sais plus. Il a commandé vachement beaucoup d'arbres. Et il va tout replanter. Enfin, c'est pas lui, c'est les agents de la mairie. Mais ils vont tout replanter en fait dans le village pour que ça fasse plus nature en fait. On a quand même une forêt, mais c'est vrai que on a un coin où c'est là où il y a les terrains de jeu, les terrains de foot, terrains de basket, on a le coin jeu des enfants, on a un terrain de tennis aussi. Il n'y avait plus beaucoup d'arbres ici, donc ils sont en train de tout replanter. Et en plus, c'est des arbres fruitiers,
Et on a l'autorisation de ramasser les fruits des arbres fruitiers quand ils vont pousser. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va avoir aussi, justement, là où ils plantent les arbres, un coin, en fait, avec des bancs, pique-niquer et tout ça. Voilà, il est en train de mettre tout ça en place. Et c'est super cool. Donc, on a participé à ça avec ma fille il n'y a pas longtemps. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que je vous ai... J'arrive plus à parler. Que je vous ai mis une photo la journée des arbres, un truc comme ça. Et donc c'est ce jour-là où on a planté les arbres. D'ailleurs, il faudrait que je demande parce qu'on est passé aux infos. Du coup, on est passé aux infos, alors régionales, hein, bien sûr. Mais on est passé aux infos, alors on voit pas la tête des enfants. Mais voilà. Petite info comme ça. Si j'arrive à trouver, je vous mettrai en lien. Mais je sais pas du tout si c'est passé tout de suite. Lundi, mes enfants vont au cinéma avec l'école. Oui, ils vont au cinéma. Alors Julien, il y va en bus. Parce que bon, il est en petite section, enfin en moyenne section, donc ils y vont en bus. Et Méline, elle y va à pied. Donc ça fait quand même une trotte. J'espère qu'il va faire beau parce que sinon je les plains. Voilà, tout simplement. Donc bah petite journée tranquillou, hein. J'ai fait mon planeur, vous avez pu voir. Et là je pense que je vais aller un peu sur les Sims parce que j'ai pas fini ma création. Il faut que je prenne des photos, etc. Enfin, pour faire un peu mon décor. Donc voilà, mon fils est parti dans le bureau avec son père. Oh, il nous est arrivé. Ah, je vais vous expliquer. De toute façon, on est dans un vlog, je suis là pour parler. On est d'accord ? On est d'accord. Donc, il nous est arrivé une merde ce midi. En fait, pour l'entreprise de mon chéri, il s'est commandé un Mac Pro. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, mon chéri crée des sites internet, applications, etc. Ça va sur Android ou sur Apple. Et donc, pour développer sur Apple, il a commandé un Mac Pro. Parce que pour développer sur Apple, il faut travailler sur Apple. Et si vous travaillez sur c'est Linux et tout ça, vous ne pouvez pas développer sur Apple. Or tout ça, je ne savais pas. Moi, j'apprends au fur et à mesure, même si je ne développe pas, si je ne crée pas de site internet. Voilà, j'apprends au fur et à mesure. Bref, c'est pas ça le problème. Donc il a commandé avec la société et son collègue aussi des Mac Pro. Donc son collègue a reçu son Mac Pro, donc pas de problème, hein, la dernière fois il est venu 2 semaines à la maison, donc il a travaillé avec son Mac. Et mon chéri, toujours pas reçu. Donc là ça fait un mois qu'on attendait le Mac et c'est livré aujourd'hui. Donc super, mon cher est super content, il s'est dit super, en plus je suis en RTT aujourd'hui, RTT lundi. Donc je vais pouvoir le configurer et commencer à mettre tout ce qu'il avait sur son ordinateur professionnel sur le nouveau ordinateur professionnel pour développer sur Apple. Donc super content et tout, et là c'est marqué comme quoi le livreur était passé, mais que nous n'étions pas chez nous. Alors comment vous dire que moi je travaille à la maison, donc je suis là, on va pas dire H24, mais presque H24 à la maison, à part les heures de l'école, et bah là quand je suis partie faire les courses, mais mon chéri était chez moi, enfin était chez nous. Et mon chéri donc avait pris un RTT pour justement récupérer son ordi et pouvoir commencer à travailler directement pour sa société. Donc sur le bon de suivi là, c'était marqué comme quoi c'était livré mais que nous n'étions pas chez nous. Donc il l'avait mis en point relais. Donc déjà ça nous a un peu gonflé, on va dire. On se fait livrer chez nous, on paye un petit peu plus cher pour être livré chez nous parce qu'on ne peut pas forcément se déplacer avec les enfants. Donc on aimerait bien être livré chez nous. Et donc mon chéri va à la boîte aux lettres, il fait bon bah je vais récupérer l'avis de passage et je vais aller le chercher pour savoir où ils l'ont mis. Pas d'avis de passage. Donc on se dit soit le mec il nous a volé Mac, soit il l'a livré à quelqu'un d'autre quoi en fait.
Donc on essaie de farfouiller, mon chéri suit et tout ça. Téléphone, alors je veux pas balancer, mais c'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec eux, c'est UPS. Je sais pas si vous avez des problèmes avec UPS, mais alors nous, à chaque fois c'est la merde. Et donc du coup, il essaie de téléphoner à UPS, impossible de les avoir parce que c'était marqué comme quoi le livreur était en train de le mettre en point relais, donc on ne pouvait pas avoir un conseiller. Il réessaye un peu plus tard où c'était marqué livré, et en fin de compte c'était marqué monsieur, je sais plus trop son nom. Et donc il appelle, il fait excusez-moi mais bon, donc il s'embrouille un peu avec le mec, voilà. Et en fin de compte, le livreur, il a vu qu'il devait faire un petit détour comme ça pour venir chez nous. Hein, forcément il fallait qu'il passe par un petit village. Ça m'a fait chier, donc il a été directement au point relais et il a mis l'ordinateur. Juste l'ordinateur quand même vaut, je dis ça, je dis rien, 3000 euros. Donc il nous perdait l'ordinateur, on était dans la merde quoi. Enfin, après c'est l'argent de mon chéri et c'est l'argent de sa société, mais quand même quoi. Donc comment vous dire que à midi quand on a su que, enfin quand on ne savait pas où était l'ordinateur, c'était un petit peu tendax ce midi pour manger. Ça n'était pas très zen. Et puis à 14h après, ça s'est arrangé. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Hein. Tout simplement, on sait que quand c'est marqué UPS, on est presque sûr qu'on va pas être livré chez nous. Mais la dernière fois, ça m'a fait exactement pareil pour des cartouches d'encre. Je travaillais du matin au soir toute la semaine. Et il me fallait des cartouches d'encre pour les activités des enfants. Qu'est-ce que je fais? Je commande, je me fais livrer chez moi. Logique, je ne peux pas me déplacer. Et ben, ils ont fait le même coup, ils ont dit que je n'étais pas là et qu'ils l'ont mis en point relais. Ok, un mercredi matin, je ne suis pas là. J'ai 4 enfants à la maison, plus les deux miens, ça fait 6 enfants à la maison. Donc je ne peux pas prendre de voiture, je ne peux pas sortir de chez moi. Mais je ne suis pas là. Comme j'ai dit à la bonne femme au téléphone, je fais à moins que les enfants ils hurlaient et que j'ai pas pu entendre la sonnerie, mais votre bonhomme il est pas passé. Hein. Et j'avais pas d'avis de passage, donc je sais très bien qu'il est pas passé. Enfin bref, les aléas de livraison à domicile. Sur ce, je vais vous laisser, je vais lancer les Sims pour travailler un petit peu. J'ai pas été à la capoeira ce soir. C'est pas bien, mais j'ai mal au ventre. Voilà, les aléas d'une fille aussi. En sachant que pendant 6 mois, donc je vous avais expliqué, j'avais eu des problèmes de santé, j'avais pas eu mes règles, et du coup maintenant j'ai mes règles de temps en temps. Et comment vous dire que quand je les ai, là je crois qu'en un mois je les ai eu, la dernière fois je les ai eu pendant 2 semaines, et là ils sont arrivés et j'ai encore super mal. Donc je n'ai pas été à la capoeira, je ne sais pas quand je vais pouvoir y retourner, peut-être je pense que ce sera en janvier ou alors pour le Noël de la capoeira. Mais bon, ça fait rien, je vais me mettre une petite bouillotte sur le ventre, je vais travailler sur l'ordinateur et ça va bien se passer. Demain je commence qu'à 10h30, donc ça va encore mieux se passer, je vais pouvoir dormir un petit peu plus, j'espère. Et sur ce, ben, du coup là, je vous dis vraiment au revoir. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Salut mes petits chatons!